amis internautes, nous, chers frères et sœurs, lumière et paix à chacun de vous. Amen. 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 Et vraiment, c'est une grâce excellente pour nous ensemble matin, hein, pour nous partager quelques segments dans le thème non, que nous joignons, nous tirer dans les livres de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Qui dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Chers frères et sœurs, nous joignons, bon Dieu, vous voyez, dis-nous, à travers thème ça, comment nous devons marcher avec le Seigneur pour être protégé. Donc, que son nom soit béni. Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, soyez prudents comme les serpents, notamment qu'a dit, et fidèles avec Dieu pour être protégés. C'est-à-dire que même là, nous pas doués. Nous t'a doué paix maladie qui a frappé nous en plein midi, comme un COVID-19. Mais bon Dieu, invitez-nous matin pour nous prudents. Et contraste qui gagne dans le thème, c'est que nous, les brebis sont bêtes qui sans défense. Nous, le loup, qui c'est un prédateur, et le serpent, sont bêtes qui les plus rusées dans Genèse chapitre 1er, dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Nous jouons comme serpent, sont bêtes qui plus rusées que t'as gagné, et la colombe, qui douce et inoffensive. Contraste qui gagne dans ça, il y a des fois où on va dire, le bon Dieu comparé au limando pour être capable de prendre comme un serpent, est-ce qu'il relève nous pour le relève nous pour nous venir mettre dame? Est-ce qu'il rappelle nous pour nous? Non. C'est ça que nous voyons dans ce là, c'est que dans Romains chapitre 16, verset 19, nous avons regardé, bon Dieu relève nous pour nous prendre. C'est parce que, dans Romains chapitre 16, verset 19, nous allons regarder, c'est là que nous devons décortiquer un petit peu contre ce qui vient dans le thème. Dans Romains 16, verset 19, la parole de Dieu dit nous, pour vous, votre obéissance est connue de tous, je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Donc, la prudence est de mise. C'est tout nous-mêmes qui n'en corps médical, qui prend le travail, peut-être en pile monde qui est déjà victime, c'est tout dans jeune New York qui ne prend pas au sérieux. C'est que, bon Dieu dit nous à travers, t'aimes ça, je vous envoie dans le danger. Mais avec l'assurance qu'il m'a préservé nous. Et nous joignons dans Philippiens 2, verset 15, où nous, dans Philippiens 2, verset 15, pour nous appuyer, ça nous dit là, nous, la parole l'a dit nous. Philippiens 2, verset 15, parole l'a dit nous. Et même, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Donc, ça veut dire que, contre cela, soit nous décortiquer le bien, pour nous pas connaître que bon Dieu est le nom pour venir comme des loups parmi les bio. Et pour nous, ça ne va pas puriser pour nous faire mettre dame. Non. C'est que nous devons faire attention. C'est-à-dire que
Bon Dieu, relève-nous pendant que nous n'avons mis tant maladie au cap faire ravage. Bon Dieu, rappelez-nous à la prudence. Et ceci, ça n'a pas daté d'hier. Mise en garde, ça y est. Bon Dieu, t'es fait provision pour nous depuis dans la prière sacerdotale que nous avons gagné pour nous montrer référencement. C'est que nous jouons. Même psalmiste, là, c'est qu'il a fait provision pour nous. Par exemple, nous, aujourd'hui, pendant que nous vivons dans le COVID-19, nous avons mouru. Et qui quantité de méchanceté qu'a fait. Parce que le COVID-19, ça nous est à terre là. Ce n'est pas des mecs criminels qui viennent d'elle. Ce n'est pas des méchancetés qui viennent là-dedans. C'est ça quoi nous est. Psalmiste l'a dit. Psalmiste l'a dit dans le psaume 26. Psalmiste l'a dit. C'est qu'il a fait provision pour nous. Dans le psaume 26, verset 9, psalmiste l'a dit. Dans le psaume 26, verset 9, psalmiste l'a dit, n'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. Verset 10, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Cela dit que, bon Dieu, relève-nous à la prudence, chers frères et sœurs. Donc, ce n'est pas pour rien. Je dis à nos capables, en dans maladie, là, on a parlé de méchanceté qui gagnait en dans COVID-19 là. Puisque depuis dans la prière sacerdotale, j'aime dire, bon Dieu, tu as fait prévision et comme s'il te connaît, nous gagnons pour nous vivre un moment difficile ça. Nous, que Salmis là, dis-nous, il fait provision ça pour nous. Si nous, on est capable de camper, là nous connaît là on famille perdit au monde pour nous camper li serrer qu'elle il marrer qu'elle pour nous même l'elle ta atteindre là-bas de 200 000 morts c'est comme si de rien n'était on ca imaginer et sans compter l'autre toya t'a voyé à travers le monde donc bon Dieu c'est tellement guetant ouais que nous même jodia nous qu'à vivre des moments de situation difficile, l'itégétan relève nous à la prudence. C'est ça que fait nous, depuis la prière sacerdotale, j'aime t'a dit nous dans Jean 17, verset 15. Seigneur, l'itégétan dit nous, pour préserver nous, il dit nous, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, dans verset 15, je te prie, pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, c'est avec ce que Seigneur a fait qu'on est. Bah, ça va pas arriver. C'est ça que fait dans la prière sacerdotale, il demandait à Dieu de nous protéger du mal de ce monde. Monde, ça, actuellement, nous aurait la vallée de l'ombre et de la mort. Jésus était en prier pour nous. Non, mais c'est ça. Appelez-nous à la prudence. Et tout ce qui est préjudiciable, qui est capable de causer des dommages. Maintenant, verset A, appelez-nous pour nous réfléchir aux conséquences. Il faut nous être prudents et agir de manière à éviter toute erreur comme chrétien. Et nous joignons Salomon dans Proverbe 22, verset 3. Et ça fait nous te dire, si tu ou même qui dans corps médical, ou même qui prend le travail, ou même qui prend rentré et sorti, c'est pas pour rien. Même là que nous pas peur maladie, c'est vrai, bon Dieu te dit nous ça, mais là on dit nous laver, mais nous laver, mais nous chita la caille, nous chita la caille, nous mettre cache. Et c'est pas pour rien. Parce que c'est l'autre est sorti ou vidéo. C'est pas parce que bon Dieu nous marcher sous serpent sous lion sous l'astique c'est pas parce que nous sous table un breuvage mortel ou pas mourir qui fait que pour aller prendre vide dans gorjou donc faut nous prudents même dans monde là nèg kon dou c'est pas parce que yo ba protecteur et puis pour aller dormir dans cafou pour ça mais nous mêmes étant que chrétiens bon Dieu te gagne temps relève-nous à la prudence, c'est pas pour rien que nous te gagne des mois de cela.
nous t'avons fait leçon sur l'esprit de discernement. C'est ça que fait. Dans Proverbe 22, verset 3, Salomon dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Et c'est pour qui ça, dans verset 4 là, c'est parce que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse et la gloire à la vie. Chers frères et sœurs, matin, nous gagnons pour nous faire en pile prudence, pour nous réfléchir à toutes conséquences dangereuses, que si nous imprudence à arriver. Et la Bible mande nous pour nous prudents. Donc, devant toute action sa yo, dans Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus enseigne nous la prudence. Il a pensé prudence à ses disciples. Donc, nous-mêmes, qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui sommes disciples, qui sont à l'école de Christ, la prudence, la prudence devant Dieu est un péché. C'est ça que fait. Les nous prudents, les n'a pas marché dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous pas gagné pour nous craindre aucun mal, parce que la Bible te enseigne nous de toutes précautions ça. Et c'est pourquoi plus tard dans Proverbe 14 verset 15, donc ça dit que à la lumière de la Bible nous joignons tout ça que nous gagnons pour nous vivre dans le temps louyo, dans le temps sauvage ça yo, dans le temps criminel ça yo. Parce que ça, il a te dit, l'homme simpliste croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Allez, donc, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Donc, je dis à là que nous sommes en confinement, c'est vrai, nous gagnons pour nous sortir, pour aller chercher le quotidien, billio faire payer. C'est vrai, en pile fois, nous gagnons en pile obligation. Même là, ils ont demandé pour alléger billio, ils ont demandé pour ne pas mettre le monde en caille, pour ne pas couper le téléphone, nous, mais ils ne pas éliminer. Pour ça, c'est vrai, il faut aller chercher. Mais pour nous réclamer maintenant, et pour nous, ouais, entre à faire imprudence pour aller définitivement dans la tombe avec fond 3 mois. Une coupure technique. C'était un petit problème technique, vraiment. Donc, on a pu reprendre. Donc, nous t'ai dit que bon Dieu était en fait en pile provision depuis la prière sacerdotale. Jésus-Christ te connaît que n'a pas gagné pour nous faire face avec des jours qui sont aussi difficiles. C'est peut-être ça. Jésus t'a demandé, papa, pour lui protéger nous du mal dans ce monde, dans Jean 17, verset 15. Parce que dans l'air que nous avons la vallée de l'ombre et de la mort, c'est sûr que nous pas gagné pour nous craindre des épidémies qui ont frappé nous en plein midi, c'est vrai. Mais malgré tout, il m'a demandé pour nous prudents. Pour nous prudents, avec tout mal qui a causé des dommages dans mitan nous, pour nous réfléchir dans toutes conséquences que bah, ça a capoté pour nous éviter toute erreur. Étant des chrétiens, pour nous prudents, et nous te faire référence avec vous dans Proverbe 22, verset 3, côté Salomon, t'a parlé, il te dit comment yon moun prudent li capable. Yé, comment pour lié? Et il te vient dire encore, na, même le proverbe là, Salomon te dit dans Proverbe 14, verset 15. Salomon te dit, l'homme simpliste croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. C'est pour ça que nous supposons, là, nous avons marché avec l'Éternel, garder côté, nous avons mis les pieds nous. Alléluia. Donc, l'esprit de discernement que nous avons gagné avant,
nous t'avons étudié depuis bien avant. Thème ça a été venu depuis bien avant que nous t'avons arrivé. Côté graphe la montée dans la bataille, les bas de 70 000 morts, un peu partout, 126, 30, combien, un peu partout à travers le monde. Même Jean-Jésus t'a enseigné, disciples, la prudence. Nous te dit, donc, puisque bon Dieu t'a enseigné la prudence, nous joignons l'imprudence qui se contraire là devant bon Dieu, c'est un péché. C'est pourquoi David te dit, l'on a marché dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne pas craindre aucun mal, c'est vrai. Mais nous joignons, et nous avons dit, COVID-19, ça, nous sommes là, n'est pas aussi simple. Si nous gardons l'intérêt qui gagne dans la bagaille, si nous gardons démarche qui gagne derrière maladie, derrière la pandémie, ça, si nous gardons pour nous, l'homme vient insouciant, l'homme pas soucié de la vie de monde. Et nous voyons que Salmiste l'ange nous a dit, c'est qu'il en fait. Provision dans Somme 26, verset 9, côté que l'État a demandé pour ne pas enlever l'homme avec le monde qui est un criminel. Donc, je dis à étant que chrétien, bon Dieu, relève à la prudence. Il faut nous faire toute bagaille pour nous protéger. Nous devons être prudents. Nous sommes dans Exode chapitre 12, l'un des destructeurs, l'autre en Égypte. Il voulait détruire tous les premiers-nés, tout enfant de Dieu. Monde bon Dieu te protège, parce que yo te mettait le sang qui servait de protection sur les lintons de leur porte. Et maintenant que le sang de Jésus vous couvre, vous protège. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Mais soyez prudents. Amen. L'Éternel promet nous assistance libre. Mais prudence. Parce que Jean-Baptiste Salomon dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Je dis, nous sommes supposés faire verset ça. Nous jouons dans Proverbe, chapitre 22, verset 3, Somme 26, verset 9 et 10, Matthieu 10, verset 16, verset de référence ça, qui a supposé servir nous matin. Comme des versets de référence pendant que nous avons lutté contre COVID-19. Mais nous supposons garder prudence. Et nous te disons, contraste qui gagne dans Matthieu, chapitre 10, verset 16, c'est que dans le même verset, nous avons brebis, nous avons le loup, nous avons le serpent, qui bête qui peut ruser, et la colombe, qui est douce et inoffensive. Eh bien, contraste qui gagne dans verset A, nous avons une bonne référence dans Genèse 1er verset 3 qui montre cette serpent risé, qui connaissance pour gagner dans Romains 16 verset 19 et Philippiens 2 verset 15. Nous pas supposé la guerre comme nous comme ça. C'est pas pour rien, il dit nous laver mais nous, c'est pas pour rien, il dit nous porter cache-nez. C'est vrai, d'être en pile, faut aller travail. Mais cependant, nous devons être prudents. Et étant donné l'air à fin brûlé, à cause des problèmes techniques, yo, nous ne pouvons pas sortir pour nous pas dire, puisque le sang de Jésus protège nous et nous avons promis ça dans Exode 15. Côté, malgré les mêmes criminels qui cachaient derrière eux, dans Exode 15, bon Dieu dit, je ne te frapperai point des maladies avec lesquelles dont j'ai frappé les Égyptiens. Je suis l'Éternel qui t'a guéri. Donc, que le Dieu Tout-Puissant place en vous un antivirus contre cette pandémie. Ayez foi en Dieu. Soyez prudents. Et nous réclamons en Dieu cette protection. Retenez ce verset. Peut-être au cours de jour, on a retourné sur eux. Parce que technique là, pas fiable matin. Ce verset ça a comme référence où, pendant qu'on a gardé prudence. Et vous serez protégés.
Nous disons, bon Dieu, merci pour thème ça, l'ivoyer pour nous, pour dents. Parce que nous avons intérêt qui gagne, nous avons main cachée qui gagne derrière la pandémie, ça. Mais la Bible est avertie nous, dans le temps qu'à venir, les hommes pour le conseil égoïste, cupide, amis de l'argent, je dis à intérêt plus que la vie des monde. C'est pour ça, nous Dieu dit nous prudents. Donc, nous appelons ça là, peut-être nous retourner avec verset haut pour nous détailler plus amplement, parce que techniquement, c'est un petit problème matériel. Soyez prudents, comme les serpents. Que bon Dieu bénisse. Donc, il faut garder fidélité autour, comme nous tapons du matin. C'est ton grâce, mon Dieu, c'est nous. Mais il te montre nous dans verset ça comment nous devons marcher avec le Seigneur pour être protégés. Bonne journée dans le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur.